Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'une petite fin de nuit. C'est l'heure d'aller au lit pour les petits Dalmatiens. Leur papa leur dit « Allez hop, au lit !»« Oh papa, on n'est pas fatigué !» gémit Patch. « Peu importe, dit le papa, les chiots ont besoin de repos. » Patch rejoint en soupirant la file des chiots s'apprêtant à grimper l'escalier. « J'ai faim !» dit Rolly en se couchant. « Oh toi, tu as toujours faim !» fit remarquer Patch. « Et toi, tu ne peux jamais te coucher et tu ne penses qu'à partir à l'aventure. » On n'a jamais ce qu'on veut, conclut Patch dépité. Quelques heures plus tard, Rolly sent une patte lui tapoter le dos. C'est le matin? Demande-t-il dans un bâillement. Non, dit Patch, il est minuit. Tu veux aller fouiner? Je te promets à manger. À manger? J'approlis tout excité. Chut, dit Patch, suis-moi. Rolly trottine derrière Patch jusque dans la cuisine. Patch rôde autour de la table. Après dîner, j'ai vu Nanny mettre de bons gros os de côté pour la soupe de demain. De la soupe, s'écrie Rolly, quel gâchis! Les os sont faits pour qu'on les ronge. Patch et Rolly mettent un plan au point. Tout d'abord, Patch grimpe sur le dos de Rolly pour atteindre le plateau de la table. Tout va comme sur des roulettes, jusqu'à ce que Patch fasse tomber le premier os dans la poubelle. Rolly se précipite pour le rattraper et le voilà coincé. Patch essaie de garder son calme. Il réfléchit intensément et concocte un autre plan. Opération récupération de Rolly. Il court réveiller un frère et une sœur pour les conduire sur les lieux du sauvetage. Mais il déniche la longue laisse de son père et décide de s'en servir comme d'un lasso. « Attrape ça !» dit-il en la lançant à Rolly. « D'accord. » Patch, Lucky et Piper tirent de toute leur force et Rolly s'extirpe tant bien que mal de la poubelle et atterrit sur le plancher. Merci les frangins! Les chiots retournent vite au lit. Avant de se laisser glisser dans le sommeil, Rolly murmure à Patch. Finalement, tu l'as eu ton aventure? Ouais, dit Patch, mais désolé que tu n'aies rien eu à manger. Détrompe-toi, dit Rolly en se léchant les babines. Que crois-tu que j'ai fait? Au fond de la poubelle, en vous attendant, j'ai rongé cet os délicieux. Et il valait le détour, c'est Rolly qui te le dit. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.